Maître Noudel Daigneau, commissaire-priseur de la maison de vente Pichon et Noudel Daigneau, est avec nous pour nous parler de cette vente du fonds familial Coustou. Il est présent en visio depuis Cannes, là où il exécutera cette vente. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous présenter cette collection qui est restée dans la famille jusqu'à présent et jusqu'à la vente qui va avoir lieu ? Tout à fait. Alors, je fais juste un petit rectificatif, c'est que c'est une collection Coustou qui a été insérée dans une collection Brochamps-Villiers qui présente la particularité de présenter une histoire de famille en 17 portraits et d'une famille qui a habité la même propriété à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, entre 1765 et 1921. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé avec les descendants pour cette vente? Parce qu'effectivement, alors je suis appelé pour un inventaire de partage familial classique entre trois cohéritiers en Auvergne. On fait le tour de la maison. Et puis, il y a deux portraits. Alors évidemment, Brochamps-Villiers, ça me dit quelque chose parce que André Brochamps-Villiers, c'est un géologue célèbre du 19e siècle, membre de l'Académie des sciences, directeur de l'École des mines. Et puis, dans le salon, sont accrochés deux portraits où il y a marqué Nicolas et Guillaume de Coustou. Donc, je demande un peu l'histoire de la famille. Et là, tout d'un coup, il y a un des cohéritiers qui me dit « Mais vous savez, moi, j'ai aussi hérité, mais d'une autre branche de la famille, des portraits qui proviennent de la même collection, là, qui ont la même origine, mais qui, depuis les années 50, sont dans un garde-meuble. Il faudrait que vous veniez à un autre endroit. » Donc, je m'y précipite. Et c'est là qu'on découvre, à ce moment-là, toute une autre série de portraits, pour au total, si vous voulez, avoir 10 portraits qui concernent la famille Coustou, qui avait été complètement oubliée, j'allais dire un peu écrasée par l'histoire familiale Brochamps-Villiers, du géologue célèbre donc du 19e siècle. Est-ce qu'il y a une différence entre travailler une vente normale de tableaux très divers et variés et un fonds familial? Alors, si vous voulez, déjà, le fonds familial, le problème, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord, de susciter l'envie, de leur faire comprendre. D'abord, il faut comprendre l'histoire de la famille, aller chercher. On a rétabli, on a refait toute la généalogie, à la fois Brochamps-Villiers et Coustou. Et tout le monde me dit, mais pourquoi, qu'est-ce que vous excitez, cher maître, autour de ces tableaux qui n'ont pas beaucoup d'importance et de ces papiers qui en ont encore moins? Et là, il faut mettre d'accord, si vous voulez, tous les héritiers pour leur dire de nous confier tous ces documents qui forment un tout dans une cohérence et d'essayer de créer une dynamique pour une vente. Donc, ça change tout, si vous voulez, par rapport à une vente normale où vous avez 50 vendeurs et dans une collection de ventes comme celle-ci où on a principalement on a un vendeur pour 90% des lots. Merci beaucoup Maître Noudel Daigneau. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur auprès de la maison de vente Pichon et Noudel Daigneau. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.